Jeudi 14 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sous Média Haïtien. Journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, mauvaise nouvelle pour directeur en chef police nationale là, Franz Elbé, lui-même qui ouais après vraiment mauvais moment institution police là, lui-même là prenait bandit exam arrivé rentré en dans directeur PNH là et yo arrivé et piller et puis mettez du fait kay DG et police nationale là qui en dans institution ça depuis yon bon bout de temps et mais qui t'a pral vin directeur institution policière là vraiment dernier temps ça yo qui gagne gros critique sous dol à cause mauvaise gestion li de police nationale là qui la cause tout et bien gang envahi divers points dans capitale là pour nous pas dire pays d'Haïti. En général, eh bien, police nationale là qui a fait face à une mauvaise situation. Dans le moment où on a parlé, DG police là, lui-même, il est en gros tête chargée. Les bandits exam rentrés dans vraiment Santo 17, ils rentré la Kaili, ils ont pillé toute sa gagne et puis mettez du fait dans la Kaili directeur police nationale là. Vraiment, une situation qui bail en pile qu'est cassé. Mesdames et messieurs, dans ça qui vient pour à conseil présidentiel pour remplacer premier ministre Ariel Henry dans pays a vraiment aimé conseil présidentiel sept membres ça qui trouvait le nan impasse pour nous y a là côté CARICOM avec les États-Unis te bay 48 heures de temps vraiment pour que conseil ça li te formé pour acteurs politiques yo te voyé représentant yo dans et conseil ici là et bien en pile monde commencé à critiquer conseil ça qui papillon bon bagay économiquement pour pays d'Haïti et bien gagné et parti petite Desalines qui déjà retiré col dans et question conseil présidentiel sept membres ça et bien divers autres acteurs dans vie nationale là critiquer décision CARICOM prend pour c'est un conseil présidentiel qui gagne sept membres là dans nous pral invité au et bien et suivre un dossier spécial dans VOA Creole dans fin émission ça sous question conseil présidentiel sept membres ça et bien faut que nous dit tout divers ambassades dans pays d'Haïti continuer à retirer personnel dans le pays à cause violence qui gagne pas bon ici depuis un bon bout de temps avec attaque armée vraiment et bien si monsieur vivant sans mieux a fait dans divers coins dans capitale pays d'Haïti côté au même yo fait qu'on est il a fait révolution et bien pas gain aucune institution qui épargne dans sens ça divers ambassades commencé à retirer et personnel yo gagne Nations Unies tout qui fait qu'on est yo commencé retirer puis faut personnel yo gagné en Haïti dans l'idée pour yo capable protéger la vie employé si la yo qui trouvé yo dans pays d'Haïti cap connait yon mauvais moment c'est tout moun qui gagne gros kè sauté sous sa cap passé dans pays et d'Haïti a et bien faut que nous dire nouvelle là international là mesdames et messieurs gagne vraiment dans pays États-Unis Joe Biden ak Donald Trump k'ap préparé là pour un lot face à face sous ça qui gen pour ak élection k'ap fait dans pays États-Unis dans mois de novembre k'ap vini là et bien dans ça qui gen pour avec les États-Unis toujours en Haïti yo nommé monsieur ça qui c'est Dennis Hankins lui-même comme ambassadeur États-Unis dans pays d'Haïti vraiment ambassadeur lui-même qui travaille comme ambassadeur dans le pays Mali avec Guinée dans l'année 2015 pour arriver 2022. Eh bien, Jodia là, c'est lui-même qui nommé comme ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti. N'a gagné pour nous présenter au dossier spécial ça sous présence Ariel Henry dans Porto Rico. Est-ce que Premier ministre l'y trouvé le Porto Rico? Nous allons inviter au suivre avec VOA Creole. Valerio Saint-Louis depuis Porto Rico, San Juan. Actualité à concernant pays d'Haïti, formation conseil présidentiel transition en impasse après délai 24 à 48 heures CARICOM avec États-Unis te bay pour diverses parties ou alliances voyez représentants. Évacuation a continué dans pays d'Haïti, Nations Unies annoncé li commencé depuis hier mercredi à retirer tout personnel qui pas essentiel dans pays à cause escalade violence là. États-Unis élection électeurs américains a paré pour faire yon choix encore entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection qui vient pour dérouler 5 novembre 2024.
Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer yo. Et nous connaît depuis quelques semaines et ben actualité assez dans pays d'Haïti et ben formation conseil présidentiel de transition li nan impasse après délai 24 à 48 heures que CARICOM avec les États-Unis te bay pour eh ben alliance yo parti yo regroupement yo voyez yon non pour capable former conseil ça cependant et plusieurs dirigeants politiques dans pays d'Haïti estimaient que conseil présidentiel là capable yon source d'instabilité. Nous gen sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Démarche pour mettre sous pied conseil présidentiel là pas fait unanimité dans classe politique là. Pour certains responsables de parti, yon conseil présidentiel ak 7 membres c'est pral yon véritable source d'instabilité pour pays d'Haïti. Junior Bato ak Francisco de la Cruz. Comment l'État pral jwenn moyen pour le payer 7 présidents? Yo pral besoin faire 7 cabinets. Yo pral besoin gen sécurité, yo pral besoin gen privilège, yo pral besoin gen ça les cortèges. Côté l'État pral jwenn ressources pour le pays moun sa yo. N'a pas demandé à qui ça va aboutir, là pour gagner un conseil de 7 membres. Puisque le pays a déjà détruit sur le plan économique, sur le plan social, déjà une division déjà, la très difficile pour gagner 7 présidents, pour gagner un entente. Moi, je pense que c'est parce que l'international a une mission pour nous, pour démontrer que par A plus B, nous ne sommes pas capables d'arriver à joindre un projet d'ensemble, nous ne sommes pas capables d'entendre entre nous. Et probablement son façon pour capable qu'un bien une crise là pour pas jamais sortir. Docteur Fritz Bisret qui c'est youn initiateur Congrès national Wanamet pour une nouvelle Haïti abondé dans même sens là. L'histoire de question conseil présidentiel là, c'est l'histoire du désastre, c'est l'histoire de la catastrophe. Est-ce que vous voulez mener nous encore vers le 29 novembre 87? Est-ce que c'est là encore vous voulez mener nous comme élément solution à crise haïtienne là? Dirigeant parti politique sa yo propose yon exécutif à deux têtes, yon président kap soti nan Cour cassation ak yon premier ministre. Fidélité nous, attachement nous à la résolution du Congrès national Wanamet qui mandait yon gouvernement bicéphale avec un président issu de la Cour de cassation parmi les juges régulièrement nommés comme premier verrou. Et deuxièmement, dans le parcours, n'est sujet à caution comme deuxième verrou. N'a pas demandé pays à camper des projets nationaux, camper des cours de cassation, pas quitter, pas pays à pas quitter encore, nous pas qu'à faire plus de temps. N'a souligné, à l'exception de parti Petite Dessalines, à Réveil National, majorité parti, organisation, à regroupement de parti, déjà soumettent non représentants à CARICOM dans le cadre mise en place. Conseil présidentiel. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Et tout débat ça yo a fait après que le premier ministre haïtien Ariel Henry annoncé que le gouvernement l'a dirigé à d'accord pour lui mettre sous place un conseil présidentiel de transition et question tout à poser côté premier ministre Ariel Henry. Eh ben nous allons rejoindre un envoyé spécial nous Valerio Saint-Louis qui trouve dans San Juan Porto Rico et nous connaît que c'est là que premier ministre Ariel Henry était d'après information que nous t'ai gain. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis c'est envoyé spécial VOA Creole. Valerio s'entendez dans San Juan. Bonsoir Jacques-Claire, depuis San Juan Porto Rico justement, le Premier ministre Ariel Henry, c'est dans San Juan Porto Rico que lié, d'après service de presse, la Maison Blanche. Donc officiellement, la Maison Blanche fait qu'on est que le Premier ministre Ariel Henry est dans Porto Rico. Et bien, je vois que sous place, c'est justement ça, nous là, la PCUS est capable de localiser, de rencontrer éventuellement. Et tandis ça que nous dit, après que tu vas à l'émission, nos vidéos que tu fais circuler. Et bien, pendant que nous avons cherché le Premier ministre Ariel Henry, on proposait tout que nous là, non. C'est plutôt une installation militaire. En tout cas, c'est fort au canon, c'est une installation militaire. Pour dire que selon l'information que la PGE a fait, l'information non vérifiée, il a fait qu'on est de cet état-là, le Premier ministre Ariel Henry d'ailleurs, avec des collègues. Et bien, VOA qui ont déplacé pour vérifier l'information. Ça. Les nous arrivons dans Fort Buchanan, nous demandons des responsables, et bien, ils disent qu'ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas qu'on est. De qui ça n'a pas lieu. Donc, informations qui n'ont confirmé, ou justement responsables, qui ont même dans Fort Buchanan, après avoir poussé Pigou, installation militaire dans Caraïbes. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, VOA qui ont cherché pour le ministre. Nous avons tous étudiants haïtiens qui ont fait une première manifestation côté que Ariel Henry descend dans l'hôtel côté TIA, et bien, ils continuent à chercher pour le ministre, et nous avons parlé ensemble avec eux.
Jeunes sa yo ap étudié dans l'université d'État dans ville San Juan dans pays Porto Rico. Yo réuni pour parler sous situation pays yo. Yo te participé dans première manifestation qui était faite devant hôtel côté Premier ministre Ariel Henry te descend dans ville San Juan. Yo réuni y a réfléchi, y a calculé, y a cherché Ariel Henry. Yo t'aime qu'on est côté lié dans moment dans San Juan Porto Rico et quel que soit côté Ariel Henry taille dans ville là, yo prêt aller pour faire manifestation une autre fois encore parce que Ariel Henry qui démissionné comme Premier ministre pas assez pour yo. Jusqu'à présent, nous pas contre Kebolié, ça veut dire nous passer le San Juan Porto Rico toujours. Et bon, par rapport avec quelques médias internationaux, quelques articles nous lit, il dit li Porto Rico toujours, mais selon enquête nous t'aimer pour nous contre côté lié, bon jusqu'à présent nous pas contre côté lié, mais il est toujours là. Depuis nous contre côté lié, n'a privé, n'a balance à quatre. Premier ministre ici à Porto Rico toujours. Et il y a un peu de nous qui senti que vini Premier ministre là il était venu ici hein, c'est parce qu'il pensait que bah il était plus facile pour lui Porto Rico. Mais il était oublié si nous avons une communauté qui est réunie ici en Porto Rico à San Juan surtout. Nous pas quitté l'occasion ça passer pour ne pas demander Premier ministre pour le démissionner. Mais si le San Juan c'est sûr que nous avons croisé. Et si nous venons San Juan, si nous t'as côté lié, qui s'en a fait ça? Bon, on connaît. Il y a un peu de monde qui a une réaction différente. Moi-même, peut-être, je dois dire deux trois mots, mais très gentil, mais il y a quelqu'un qui doit foncer sur lui. Non, pas moi, c'est Francette Calixte. Moi, ici, Porto Rico, pour me faire un doctorat en commerce international. Si le pays a crasé net, je ne vais pas de côté pour me tourner. Nous tendons à dire que c'est toujours Porto Rico, mais nous ne pouvons pas connaître exactement dans quel hôtel lié, qui bon lié, dans quelle zone lié. Mais moi-même, personnellement, tout autant je ne pas attendre Ariel Henry dans la prison. Je ne suis pas en paix parce que trop sang coulé, trop de monde mourir sous en bas, j'ai Ariel n'a pas dit un mot. Tout le temps, je m'attendais Ariel Henry dans la prison, je ne suis pas en paix. Nous avons rencontré tous les étudiants et professeurs étrangers qui ont même rejoint à cause étudiants haïtiens qui ont cherché Ariel Henry dans la ville San Juan. La situation à Haïti, bon, moi, du coup, du point de vue de la France, de ce que j'ai vu quelques documentaires, quelques reportages, situation très compliquée. Des gangs armés, exactement. Beaucoup de gens qui se font assassiner chaque jour. Et personnellement, ça m'attriste énormément. J'espère que ça ne résume pas l'état d'Haïti et qu'il y a d'autres choses. Et qu'un jour, je pourrai y aller. Et puis, j'entends que des choses négatives. Donc, je voudrais voir comment c'est vraiment, parce que je sais que c'est un pays très riche. C'était pas très agréable la visite parce que, en fait, c'est que ce qu'on peut voir, ou moi, à mon avis, je vois qu'il n'a pas fait beaucoup de choses pour le peuple haïtien. En tout cas, il a déjà démissionné, donc je pense que ça, c'est le premier pas. Mais il faut voir ce qui va arriver après, non? Parce que ça, c'est la première partie, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment avec Haïti, c'est le plus important. Donc Valério, c'était opinion et groupe étudiant Sayo. Mais et Valério, qui pour pensait que groupe étudiant Sayo gagne encore? Parce que tout le monde a cherché côté ancien Premier ministre Ariel Henry. Les étudiants ont été tenaces. Ils ont dit qu'ils ont d'ailleurs fait un groupe WhatsApp, ils ont fait des groupes sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent communiquer ensemble avec d'autres. Ils ont dit qu'ils ont gagné plus de monde fois ça si ils arrivent à 20 du côté du Premier ministre Ariel Henry. Et d'après, encore une fois, que Maison Blanche est confirmé que le Premier ministre est à Porto Rico. Les étudiants ont attend justement de la part de la voix d'Amérique de l'Ouakuel pour nous dire au côté du Premier ministre. Donc ils attendent et ils ont dit qu'ils vont manifester, quel que soit côté du Premier ministre, à Porto Rico. Merci Valério. Valério, c'est envoyé spécial VOA Creole. Il trouvé dans San Juan, Porto Rico, il était dans Kingston, Jamaïque, et qu'on y a trouvé dans Porto Rico. Merci en pile Valério. Donc rendez-vous demain pour l'autre information depuis Porto Rico. Quand on a quitté Porto Rico, nous pourrons aller dans Port-au-Prince pour nous qui j'en sais, notamment avec du feu ça qui éclaté dans la pénitentiaire nationale dans Port-au-Prince et avec manifestation qui fait dans la rue. Nous parlons jeune Sandra Lemaire pour détails. Du feu pété dans le pénitencier national Port-au-Prince là jeudi matin. Vidéo montrait gros nuage la fumée cap sorti dans l'installation hein, côté nèg exam ta libéré prisonnier yo pi bonheur moi ça. Il pas clair si t'es un prisonnier qui était toujours fermé dans prison. Nous pas connait non plus qui ça t'est causé du feu à. Haïti a goumé pour résoudre crise politique et sociale qui la cause plusieurs milliers moun obligé courir quitter caillou pendant que gang améo a valé plus terrain. Bloc régional CARICOM nan détaillé un plan pour parti politique haïtien yo ak secteur social yo travaille ensemble pour former un conseil transition présidentiel qui va gagner 9 membres qui pourra diriger pays après Premier ministre Ariel Henry qui pas élu t'est annoncé démissionner lundi.
Négociations sur qui est-ce qui fait partie du conseil là, t'est déroulé dans la Jamaïque lundi. Leader caraïbéen avec secrétaire d'État Anthony Blinken t'est patronné rencontre ça. Mais jusqu'à présent, pas qu'on ait aucune annonce officielle pour dire qui est-ce qui peut faire partie du conseil là. Citoyens, yo, t'es profité baisse dans actes violentiaux pour y aller faire achat et puis prendre l'argent la banque. L'école à pompe gaz yo été fermée. Transport public pour commencer fonctionner et moun te ka wè plus haïtien dans la rue. Priorité numéro 1 en pile moun, c'était prendre l'argent. Banque yo recommencé l'ouvrir après yo te passé presque 10 jours fermé à cause de violence gang yo. En pile citoyen te profité pour y aller faire provision tout. Deux principales aéroports yo avec port Haïti été fermé. Sandra Lemaire, VOA Créole. Malgré calme qui gagne dans Port-au-Prince, ça n'a pas empêché que l'ONU annonçait que depuis hier, il commençait à retirer personnel qui n'est pas essentiel dans le pays d'Haïti à cause, et ça nous ça a dit que c'est escalade violence là. Et Jean-Aubert Philippe, ou même qui a suivi dossier ça pour nous, eh bien, et c'est pas premier, et pas première évacuation qui fait, c'est une liste d'évacuation qui fait. Effectivement, Jacqueline, son évacuation a commencé depuis notre commencement de semaine, en particulier avec l'ambassade américaine. Eh bien, on a dit que la communauté internationale, là, en général, a fait un pile d'efforts et a profité de l'accalmie apparente qui a gagné là pour essayer d'évacuer le maximum de monde possible. Cependant, il y a des difficultés pour connaître qui quantité de monde qui déjà évacué et qui quantité de monde qui est là souterrain et qui a besoin d'évacuer. Surtout, le monde qui est bloqué, soit parce que j'étais en vacances, qui a besoin de retourner côté dans le pays, côté où j'étais à travailler là pour revenir dans le travail. Yo. États-Unis, Union européenne, l'Allemagne avec les Nations unies continuent à évacuer personnel non essentiel en Haïti dans un moment un peu clair sur le déploiement de forces police multinationales. Les États-Unis ont commencé l'évacuation depuis le commencement de la semaine. Même jour, ils ont déployé souterrain Marigno pour protéger l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Conditions de sécurité qui dégradé chaque jour forcé l'ONU déplacer personnel qui pas essentiel. Cependant, personnel qui travaille dans activité importante organisation internationale là a continué travail d'après chef porte-parole secrétaire général des Nations Unies Stéphane Dujarric. Pendant ce temps, les Nations Unies a annoncé la mettre en place un pont aérien ensemble avec la République Dominicaine pour permettre assistance humanitaire arriver joindre population haïtienne qui a besoin. Évacuation ça yo a fait après Kenya campé temporairement sous déploiement force multinationale là en attendant conseil présidentiel là installé à nomination du premier ministre avec un nouveau gouvernement. Yon assurance autorité kenyan yo bay administration américain qui t'a exprimé inquiétude li. Pendant ce temps, un peu clair sous date conseil présidentiel là installé pour gagner un nouveau premier ministre avec un gouvernement après une nouvelle yo rapporté acteurs politiques yo gen difficulté pour choisir représentant yo ou bien désister tout simplement pour désigner yo représentant dans conseil présidentiel là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, il y a une réaction qui continue à tomber, notamment surtout, et Washington fait connaître par exemple, Montaku Guy Philippe, il n'est pas qualifié pour le faire partie du conseil et présidentiel de transition. Et Guy Philippe tout répond pour dire que CARICOM, c'est pas droit CARICOM pour décider qui est-ce qui peut diriger le pays, qui est-ce qui peut aller dans le conseil là. Et puis, il y a une réaction tout, colonel Himmler Rebu, qui c'est leader parti gré qui réagit sous et militaire américain qui arrivé en Haïti à conseil présidentiel transition yo l'était dans micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince Renato Toussaint. C'est pas moi qui dit ça, c'est gouvernement américain même qui dit ça. Il dit nous que Marines sont venus pour protéger ambassade et pour permettre que yo évacuer de citoyens qui tap travail pour yo ici et qui besoin sécurité donc yo chose. Bon, non songe et monsieur Stromae te dit nous et patap gen une transition dans la transition. Donc on a dit nous les marines sont là pour protéger l'ambassade. Par exemple, vous donnez grand pile monde qui dit
que yo pas d'accord avec force multinationale qui vient. Sous un papier monsieur Ofea, yo dit pour accepter rentrer dans collège là, c'est que ou accepter résolution 23/19 là pour appliquer qui permet que force la venir faut tout signer. Acteurs qui doit continuer dans faire collège présidentiel là. Si on continue, moi prévois pour aboutir à une bataille, une guerre de position, nous pral ouais, pas oublier non. Docteur Ariel Henry dit un petit parole, un bon petit parole mettre dans moi. Il dit d'accord pour le démissionner dès que yo mettez collège là en place. Faut pas oublier non. C'est pas au hasard monsieur dit dès que vous mettez collège là, parce qu'il connaît. Bataille haïtienne pour le faire. Nous allons avoir Ariel Henry, premier ministre, là pendant 2-3 mois encore. Bien que je connais, il y a une autre décision pour le faire et une accélération pour le mettre dans le bail. Maintenant, la bonne décision pour mettre tout le monde tranquille, nous n'avons qu'à aller dans la cour de cassation, nous ne prenons pas un juge qui était nommé régulièrement, il a balle la charge de la direction de l'État et qu'on y a les réunis, les prend. Des décisions, laisse ça, tout groupe qui a goûté dans la rue, pas qui a dit, et que c'est tel groupe qui gagne, il n'y a pas d'accord, 21 décembre, il monte dans le pouvoir, il n'y a pas d'accord, et Montana, etc. Nous sortis en dans question ça. Donc c'était ancien colonel Himmler Rebu qui c'est leader gré. N'a continué avec l'autre réaction et qu'on y a nous pral dans Wanamet, nous pral rejoindre, correspondant nous, Jodley Junior Saint-Ville. Plateforme Jeune Odès, PGNE, une organisation dans la société civile Wanamet, en même temps, même Congrès national Wanamet, qui lui-même réunit plusieurs organisations au niveau national dans l'idée pour joindre une solution à la crise qui a saccagé le pays. Dans une conférence pour la presse, hier mercredi 13 mars 2024, là, dénoncé résolution CARICOM qui mandait formation un conseil présidentiel qui a gagné la dalle 7 membres. Cher enfant, mon bêta, t'es parlé dans nos plateformes Jean Odès. Nous-mêmes, membres dans la société civile, là, c'est avec un peu de tristesse que nous avons constaté, malgré la grosse bataille que nous avons menée pour te sortir dans l'esclavage, mais l'Occident voulait montrer nous le contraire. Mais nous démentis 7 fois, 77 fois, nous pas accepter poison. Cacheter ça, que CARICOM et les Nations Unies portent nous une valeur. Pour Naoum Chal, membre Estrictia, le Congrès Wanamet est déjà clair dans la proposition de fait. Quand nous avons proposé pour qu'il y ait dans la Cour de cassation, nous avons choisi un président et de concert avec les forces publiques, nous avons choisi un premier ministre et encore, nous avons choisi choisi eh bien yon et conseil de contrôle qui d'après est composé de 10 membres qui t'a sorti dans chaque département avec l'international national là eh bien côté que et proposition noire donc li rejeté et nous tendait que c'est yon conseil présidentiel de 7 membres qui et choisi pour diriger le pays. Pour finir, même Congrès national loi dans maintenant, t'es lancé message ça. Solution pays, c'est à la haïtienne pour le prendre. Nous ne pouvons pas coloniser encore. Nous avons demandé tout acteur politique pour mettre la tête ensemble, pour jouer une bonne solution pour nous remettre. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Nous avons quitté le Nord-Est et nous prenons un grand assurément dans Jérémy, côté que nous prenons joindre Mackinson Charles qui prenons porter pour nos réactions par rapport toujours avec le Conseil présidentiel de transition. Réaction continue de tomber bon côté quelques monde dans la ville Jérémy, sous proposition CARICOM fait avec différents acteurs dans le pays. Pour mettre campé en place un conseil présidentiel 7 membres. Porte-parole FRN en grandance, Fitzgerald Frédéric, estime c'est grâce à révolution ancien sénateur de grandance Guy Philippe a prôné depuis retourné dans pays d'Haïti qui rivait accoucher toute l'idée pour remplacer premier ministre Ariel Henry qui d'accord pour l'y remplacer par un conseil présidentiel. Question bouik travail choix galonnéan
nous pas prendre la mécaricom. Tout le monde clair dans le pays. Tout le monde clair son bagaille. C'est Guy Philippe qui vient là, qui vient mobiliser toute population. Et Guy Philippe sorti de la prison, il vient mobiliser toute population. Population tellement quoi en Guy Philippe, tout le monde met corps dehors. Finalement, et révolution prêt à l'abouti. Grand bande politicien radical qui te dit yo parlant révolution. Paquet manan te dit yo parlant révolution. Pendant carotte là cuite là là, yo veulent venir empêcher peuple là manger carotte là. Donc carotte là c'est pour peuple là. Donc CARICOM qui veut faire magouille avec révolution peuple là, nous dit CARICOM bien compté mal calculé parce qu'il a fait bouille travail choix le galonel pas passer. Leader peuple là c'est Guy Philippe. Pour quelques autres citoyens, Guy Philippe c'est meilleur choix dans moment. Pendant yo voyez jeter toute initiative CARICOM à divers acteurs dans international là veut prendre en faveur pays d'Haïti. Nous-mêmes jeune Jérémy nous dit nous pas prendre comme ça parce que nous avons un bagage CARICOM veut faire là qui pas bon pour nous parce que nous même l'école d'ailleurs l'entreprendre balle là CARICOM pas prendre la avec nous les nous t'a prendre brimadio CARICOM pas prendre la avec nous les nous t'en caché CARICOM pas dans caché ensemble avec nous dit CARICOM pour faire back avec décision là nous gagne Guy Philippe là c'est lui même qui leader nous gagne accompagner avec Maurice Charles pour mettre pays sur l'autre bonne pente. Nous pas d'accord avec ça qu'a venir avec bagaille conserver avec sept monde nous pas faire sept monde sous qui texte de loi que CARICOM qu'arriver décider pour nation ça qu'a fait l'anguille salier nèg yo besoin pour Ariel rete là yo met en confusion là yo juste besoin faire temps passer parce que qui ça moi comme si c'est Ariel caché derrière c'est même disciple toujours ça pas qu'a fait n'a fait CARICOM continuer bataille si c'est comme ça n'a bataille nette ne pas frapper pied dans terre Ariel t'a pour un mandat 5 ans là. J'aimerais pas là. C'est grâce avec Guy Philippe. Mais bout de moment là, ça passe là. Et même nous, même celle nous qui a géré Haïti, pendant que nous mettons le côté là, faut poser, faut calmer ce bagage ça. Décision ça, au moins de décider pour le peuple là. Il y a une situation qui a gagné en pile inquiétude dans la population à cause en tête qui peut arriver à joindre en tacte pour arriver à mettre campé un gouvernement en place pour diriger le pays depuis Jérémy, Mackinson Charles pour Véroa Créole. Nous sommes dans l'ouest, nous passons dans le nord-est, nous passons dans le grand-est, qu'on y a nous parlons dans la diaspora haïtienne, qui a mené nous dans la ville Paris pour nous toujours gagner réaction communauté haïtienne sous ce qui a passé dans le pays d'Haïti avec Edouard Franklin Jedems. C'est que le conseil présidentiel pas rentré dans le cadre de la Constitution. Parce que l'article 149 là, il est clair et il dit faut que c'est dans le cours de cassation pour nous aller. Nous aurions cru que si CARICOM voulait réellement aider nous à résoudre la crise là, faut qu'il soit capable d'accompagner nous autour d'une structure bicéphale avec un président et un premier ministre. Le collège présidentiel proposé par CARICOM, c'est un ensemble de représentants de plusieurs secteurs. Donc, moi, ce que, à titre personnel, ce que je reproche dans ce consensus, c'est qu'on devrait avoir un membre qui représentait notre pays parce qu'on est concerné. Moi, je voulais dire que c'est un moment de tristesse pour moi-même, pour nous voir comment que la communauté internationale, là, en particulier les corps groupes, voulaient traiter nous comme des boniches. La crise, n'a pas gardé journée aujourd'hui à sur Haïti, c'est une crise qui est liée avec de gros intérêts. Mais des intérêts qui gagnent à ouest si tout avec ça nous capable de gagner la canon comme matière première. Mais malheureusement, Haïti n'a pas gagné monde qui pour défendre ni dans situation qu'il y a. Il n'y a pas de classe politique, il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de même jusqu'à ce que tu n'as pas dit même peuple, il n'y a pas de. Ils ont décidé de lâcher bouchon pour dire son ingérence de la part de la communauté internationale et également du CARICOM. Nous disons là, ou pas qu'à fond pays, pousser l'autre. Petit pays qui a côté. Regardez, les rapports de pays de la CARICOM, sont ces des petits côtés, c'est comme si des petits provinces pays d'Haïti. Je dis, il faut que Haïtien prenne destin en main. C'est ça fait m'a dit que nous avons besoin des personnalités importantes, je dis, des nouvelles têtes dans la politique là, qui pourraient pouvoir par la force. Et puis, gagner ou bien M. Azam, j'en ai dit, nous pas capable de dialoguer avec eux politiquement parlant. Monsieur dame CARICOM yo mandé monsieur politicien haïtien pour voir dossier au balai de quoi pour qu'a décider choisir et décider qui moun la va mettre dans tête pays qui pour gouverner pays là son véritable désordre d'Isaïe. C'est en totale violation avec les lois internationales contre la souveraineté d'un pays. Lors dit au besoin aider un pays ou pas prendre décision pour lui ou accompagner décision pays là. Dans le moment là, il n'y a pas de haïtien qui vivent.
pas gen quel que soit côté que nous dans monde là, pas gen un haïtien qui a vivre bien par rapport à ça qui a passé dans pays d'Haïti. Moi même non. Pas qu'à espérer en rien de international. International fait assez de démonstrations. International fait assez d'espoir, rien pas jamais fait. Je ne veux pas espérer rien de l'international. Personnalité ça dans le pays, la France, tout toutes convergées pour dire son seul bagage qui manque à acteurs politiques, c'est unité. Jedems Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Et puis, Konya, ou toujours sauvé au Créole, nous parlons entrer dans l'actualité électorale là, ici, aux États-Unis. C'est aux États-Unis pour ticket républicain et pour ticket démocrate là, spécialement après Super Tuesday avec plusieurs caucus, affiche électorale pour novembre 2024 là pratiquement clair: Joe Biden, Donald Trump. Nikki Haley, ancien ambassadeur États-Unis dans Nations Unies, qui perdu la Cali dans Caroline du Sud, il perdu tout Super Tuesday, t'a décidé camper campagne, ça qui quittait pratiquement route la libre pour ancien président républicain Donald Trump. Pour jouer un ticket parti républicain côté libéral en face président démocrate là Joe Biden qui lui-même tout remporté la victoire pour parti démocrate là. C'est première fois depuis 1956 que États-Unis a poué un bagage comme ça, ouais, deux face à face présidentiel l'une après l'autre, les présidents républicains Dwight Eisenhower te bat Adlai Stevenson, adversaire démocrate qui était perdu devant 4 ans auparavant. Pour un pile spécialiste gagné un pile go point qui était divisé deux leaders en 2020 et qui une journée aujourd'hui a divisé encore tant que immigration, à crise aux frontières États-Unis partagée avec Mexique là, dossier la Chine, dossier la Russie, inflation et économie, changement climatique semblait deux gros gagnants avec soutien États-Unis à bail Ukraine et Israël. Électorat américain de l'autre côté plaignait pour l'âge de candidat. Président Joe Biden, qui gagne 81 l'année, c'est président qui pique grand monde qui jamais dirige le pays. Donald Trump, qui était dirigé le pays, sorti 2016 pour arriver 2020, gagne 77 ans. Donc, il gagne 4 ans de différence avec Donald Trump. Et lui-même, il voulait tourner dans la Maison-Blanche pour, d'après ça, faire États-Unis grand encore. Cependant, candidat républicain, lui-même, il trouvait dans un paquet de démêlés avec la justice. Qui donc, 2024, là, c'est une année électorale aux États-Unis et date présidentielle fixée pour 5 novembre 2024. VOA Creole à présent. Oui, comme d'habitude, VOA Creole a la côté actualité ailleurs. Et puis, dans le pays d'Haïti, concernant le pays d'Haïti, il y a un Sénat américain qui approuvé Dennis Hankins, qui sont diplomates de carrière comme nouveau ambassadeur pour Haïti, à qui on vote 89 voix pour et une seule voix contre. Et c'est ton vote qui est déroulé dans la chambre haute américaine jeudi. Donc, nous connaissons pratiquement nouveau nom. Et ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, c'est Dennis Hankins. C'est là que nous mettons fin dans le programme. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et puis, nous voulons dire, sophonie lui, amis par nous, collaborateur nous, eh bien, joyeux anniversaire. Et, forme du tout, que tout service qu'on a, remet. Même genre ou même tout aurait mes sports en pile. Donc, moi, c'est Jacques Lambéliza. Bonsoir tout le monde. Donc, rendez-vous demain pour une autre édition. Rendez-vous info. Bonsoir.